Cela fait déjà plusieurs mois que j'ai lancé mon TikTok un petit peu en secret. Alors si tu souhaites bénéficier de contenu exclusif et surtout de passer du bon temps sur TikTok, n'hésite pas à venir me follow, ça m'aiderait énormément. TikTok, c'est vraiment un réseau social qui apporte beaucoup de choses pour un créateur de contenu. Alors n'hésite pas à faire plaisir. Je poste du contenu régulier sur Dragon Ball Legends, sur moi, peu importe. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui le feront. Le lien est dans la description et rendez-vous sur TikTok. Allez, c'est parti. Ah ouais, non, je suis d'accord, hein. Franchement, Gohan Beast, c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Gohan Beast 10 étoiles, c'est vraiment bien, genre ça c'est, voilà. Mais Gohan Beast 10 étoiles avec 5 putains de millions d'HP. Salut à tous les frérots, salut à tous les gens, j'espère que vous allez tous très bien. On va jouer Gohan Beast avec 5 millions d'HP. Oui, c'est vrai, ce n'est pas une blague, on lui a mis full équipement HP, on a mis Pan, on a mis Yajirobe pour les cartes vertes, donc pour les combos ça peut être sympa, les pivots de Pan, et ça nous donne une team, mais malheur de chez malheur. Juste à noter également, c'est que Pan, c'est la même chose, hein. Je lui ai mis full équipement HP pour Pan, et que Pan, elle a quand même 4 KZ Zenkai. Vous me direz ce que vous en pensez de cette vidéo, les gars. On va pas aller plus loin dans l'introduction parce que vous avez compris. On va passer directement au game. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner. C'est hyper important si vous kiffez ce genre de vidéo-là. Je suis allé piocher, évidemment, dans le petit message que j'avais mis dans l'espace communauté. Donc, merci à tous ceux qui ont répondu, qui m'ont dit « Ouais, il faudrait que tu joues full caps HP. » Donc, on est parti. Le jouer dans cette team-là, les gars, ça va être horrible. Enfin, je pense que ça va plutôt être horrible pour mes adversaires plutôt que pour moi. Il y a Couleur en face de nous. Du coup, nous, on joue pas de SSJ. Donc, évidemment que Couleur, on peut lui faire extrêmement mal. Bah directement on va commencer avec Gohan. On va commencer avec Gohan ici parce que même s'il se fait attraper, bah vous avez vu, c'est, il a tellement de soins, les vers de Yajirobe, même le perso en lui-même, vous allez voir 5 millions d'HP sans sa survie au chaos. Donc avec sa survie au chaos, on verra si on la proc, on arrive à avoir le nombre exact de HP. Je pense qu'on doit être à 7 millions d'HP, un truc comme ça. Allez, c'est parti. Bon, évidemment une carte verte en début de game, c'est normal en vérité avec avec Gohan. Tout à fait normal. Ça c'est bien joué par contre. On lui a détruit ses cartes donc il devrait pas en avoir 50. Même si mes couleurs à ce moment là c'est pas très grave. Et vous avez vu les 5 millions d'HP, ils sont présents. Et bah le seul problème de Gohan c'est Gohan lui même hein, donc on le voit ici. Il est en train de nous mettre mid life mais bon, il nous a enlevé quand même 2 millions d'HP hein, sur le combo. Mais c'est normal hein, c'est Gohan. Bah, et après il faut s'arrêter juste de comboter. D'accord, d'accord, mais d'accord. Ok, yes. Ok, c'est parfait, allez c'est parti. C'est parti ici, il va nous enlever du ki. Voilà, mais nous on va en récupérer. Au final, c'est pas si grave. On peut travailler qu'à ce moment-là. On va mettre Pan. Dommage ici. Là, le fait de nous taper, ça va un petit peu l'handicaper. On le sait, avec Pan, c'est fort. Putain, il envoie la sauce, le ref en face. Vraiment, il est chaud. Il est chaud. Donc là, on a les cartes vertes de Yajirobe également. Les cartes vertes de Yajirobe, je rappelle, elles soignent la team. Donc c'est super intéressant. Sauf si Imstun. Imstun pas. Moi ça passe ça, je crois que oui, non? Pas du tout. Alors, pas du tout. Ok. On va continuer de taper ici. Je sais pas s'il va switch. Je sais pas s'il va switch. Franchement, il y a moyen. Hein. Couleur, il a pas l'anti sur le vocal. Aïe 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 aïe. Ok, on a détruit les cartes, donc je pense qu'il aura pas ce qu'il faut. C'était sûr. Ok. Ça ok, allez c'est parti, ulti ici. Donc là regardez comment on est remonté, on est remonté à 4 millions d'HP les gars, on est remonté à 4 putains de millions d'HP. C'est déjà ça, c'est juste n'importe quoi. Et on cuit. Oh là là, oh non, mais non je voulais pas ça traverser Blast, mais j'ai pas eu de strike, putain c'est vrai. Allez, carte verte ici. Ah oh, mais on pourrait tuer Gohan Beast avec Yajirobe, hein, faut pas croire. Hein. On va tuer Couleur avec Yajirobe surtout. On va tuer Couleur avec Yajirobe. Si. Allez hop. Et là maintenant bon courage parce que là ça va pas être évident quand même. Ok, il a pas être une bonne carte, ça c'est parfait ça. La petite verte ici, elle régale. Mais non, non, mais non. En fait, juste non, parce que non, ça marche pas, ça a marché parce qu'il a lag. Je pense pas qu'il m'enlève 3 millions 3. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, son move a marché parce que ça a lag. Hein. Normalement, j'ai fait le pas de côté, c'est juste qu'il a pris en compte, je sais pas quel... Ouh là là, on est chaud.
On a eu extrêmement chaud là, il va être obligé de nous Rising Rush. Et ça, c'est parfait parce qu'on va prendre un soin de fou furieux. En fait, il va être obligé de nous Rising Rush. Si, voilà, s'il le fait pas, bah voilà. En fait, le problème du fait qu'il, de ce qu'il est en train de faire, c'est qu'en fait, il est en train de plus se mettre dans la merde qu'autre chose, j'ai l'impression. Voilà. Et on va se payer ici. On a Yajiro B. Peut-être qu'on se trouve, on tue d'ailleurs, mais je pense pas. Je sais pas. Perfect. Voilà. Et le kill est pris. On n'a pas eu besoin du Rising Rush. On termine la game en 3-0 face à quand même une très belle team. Ça fait super plaisir. Franchement, je suis trop content de cette game parce qu'on s'en tire, plutôt pas mal. Et vous avez vu, l'adversaire s'est dit non mais attends, je peux pas Rising parce que si je Rising, mais là il me donne une survie au KO, même sur Yajiro B, hein, il me donne une survie au KO. Il me soigne. Et derrière, au final, il faut qu'il me retombe 6 millions d'HP sachant qu'il a plus d'ulti. Bah là, force à toi. Hein. Et là, ce qui va être vachement intéressant après, encore une fois, le duo Pangwan, je trouve il a pas besoin d'être opti ni d'être étoilé pour faire extrêmement mal en vérité. Donc c'est ça qui va être un petit peu, voilà. Et pour les gens qui pensaient, qui m'ont posé la question de est-ce que j'allais jouer la team avec, vous savez, HP infini là, non, tout simplement non, parce qu'en vrai sur Guan ça marche pas, il a pas de soins dans la game avec des vertes ou quoi, malheureusement, sinon ça aurait été incroyable. Malheureusement c'est pas le cas donc. Allez go. Je t'attrape. Si je t'attrape. Ouais, switch. Hein. Switch ici, je le confirme, switch. Ok, donc là c'est super. On aurait... oh, je sais pas si c'était mieux de verte au final. Ok, première verte ici. Deuxième, 5 millions 1 d'HP. C'est n'importe quoi, vraiment, ça n'a pas de sens. Hein. Faut bien comprendre, ça n'a pas forcément de sens. Hein. Il y a des choses dans la vie, elles existent, mais elles n'ont pas de sens. Bah, c'est fini pour toi. Je crois que c'est fini pour toi. Non, t'es bête. 4 millions 3, Pandeur, j'en ai même pas parlé. J'ai même pas capté. 4 millions 3, je... Normal, tout va bien. Tout va bien. Ouais, non, c'est n'importe quoi. 4 millions 3 d'HP, Pandeur, ouais, non. Après, Jiro B, on est un peu habitué au... vraiment au gros stack d'HP, tu vois, mais... Hein, c'est... Je suis en train de penser, est-ce qu'il serait pas lock, là? Est-ce qu'on ne tuerait pas, là? Mais tue-moi ça, putain! Ah putain, il y a rien de fou, hein. Ok, c'est bon, allez. Ça dégage. Non, parce qu'on avait pas de spé. Oh, on aurait une spé, les gars. Oh, c'est incroyable. Ah ouais, d'accord. Excuse. Oh, le perfect. Le perfect, il fait un petit peu mal ici. Donc là, voilà, ça réduit le temps de substitution des Gohan. Donc c'est juste masterclass. Ça, c'est moins masterclass, quand même. Quand même faire gaffe, parce que je le sens, il est en train de s'énerver. Ah bah d'accord. C'est terrible. Ah ouais, ah bah alors non, alors là non. Ah ouais non, parce que là, bah là c'est terrible. Ah ouais non, bah là oui. Oh le screen de fou. Oh le screen de fou que j'ai là. Oh le screen de fou furieux. Donc là dites-vous avec le Rising Rush, j'avais 5 millions 1 HP et j'avais une survie au KO. Et s'il y a des alliés morts, je me re-soignais encore. Est-ce que vous commencez à comprendre à quel point c'est n'importe quoi de le build full HP? Oh ce scr... Oh la 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 la. Alors lui il va finir dans une miniature de... ça c'est sûr. Oh je pense que je pouvais pas avoir beaucoup mieux, ça fait trop plaisir. Allez on continue. Il doit quand même voir flou le mec parce qu'il faut quand même qu'il enlève 5 millions d'HP à Gohan, un grand minimum, un grand minimum. 4 millions 3 d'HP à Pan, plus ce Yajiro B, il faut qu'il enlève 12 millions d'HP. Mais vraiment faut que le mec il enlève 12 millions d'HP à ma team. Pour qu'il puisse réussir à faire quelque chose. C'est vraiment abusé. Par contre, j'avoue, si je perds Gohan sur un Rising Rush d'un. Enfin, je sais pas quoi, après un ulti ou un bail comme ça. Un Rising Rush, non, mais sur un ulti ou je sais pas quoi, je suis trop dans la merde. Hein, parce que là, j'ai littéralement plus aucune source de dégâts. Et il n'y a pas de cap Z offensif. Donc c'est. Ok. Bon, on est parti, hein, face à Pan. Ok. Et ben, c'est parti. Donc, toujours hein, le même stack d'HP. Ça bouge pas. Parfait ici. Voilà, on peut setup tranquillement la team. On s'enflamme pas. On garde les pieds sur terre. On chope pas le melon. Vas-y, tape ici, tape attaque. Oui, mon grand. Mais oui, t'es trop mignon. Il me boost de 30%. Tout simplement. D'où ma réaction qui est. C'est assez intéressant quand même. Vas-y, mets point s'il te plaît. C'est juste pour ça, juste pour voir, ok. Ouah, comme elle m'a tanké. Non, mais vraiment, point, c'est quelque chose. Ok, il va peut-être main un jour, non?
Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah non. Bah je pense qu'il est quand même dispo Piccolo, mais on va quand même le mettre. Ah. Ah oui. Bon alors là, ça se complique. Je sais pas pourquoi il a pas main. Je... Ok. Il faut peut-être y aller là. Non mais gros, ah bah putain. Il a un main, il lui sert à rien. Ah non mais là on est trop bien. Après, voilà, attention à Piccolo en vrai, il pourrait nous embêter mais... 4 millions, mais vraiment, mais Pan aussi, c'est vraiment drôle quoi. C'est... Là maintenant le Rising Rush les gars, il est... Oh. Il est gratuit le Rising Rush ici. Bah, et oh, ça va? Ah non, mais je suis trop con aussi, il y a moyen de tuer là. Ah, lui aussi est con. Ah ouais, non, mais non gros, parce que je t'avais vraiment littéralement plus qu'à ulti quoi. C'est dommage, bon bah Rising Rush ici, il va se retrouver qu'avec Pan pour terminer la game, autant vous dire que... La tâche me paraît assez ardue pour lui là. Ah ouais, ça va être dur là. Ça va être dur surtout qu'on a... En vrai, Yajirobe il est pas si mal. En fait, ce qui est fort dans ce genre de team là, c'est que le mec il se concentre sur Gohan. Il se concentre de ouf sur Gohan. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu mets un perso low HP, le mec il pense pas à Yajirobe. Tu mets Yajirobe SP, il est mort. Et le mec il se dit... Oh merde. C'est... Littéralement, il doit dire... Oh son caillou. Regardez, elle a le caillou dans la main. Vas-y, lancez son caillou. C'est énorme. Regardez les gars. Elle a son caillou dans la main. C'est gros, c'est énorme. J'ai jamais eu un lag vraiment cette frame. Tu vois le caillou, il va partir. Genre. Prends-le celui-là. Genre. C'est énorme. Ok, sympa. Bon, le bot, tu me fais chier. D'accord, bon, même le bot campe plus que campe autant que le joueur. En tout cas, là, bon, on y... C'est terminé. D'ailleurs, j'aimerais bien un nouveau Yajirobe avec la beubar. Ça serait sympa, un petit Yajirobe avec la beubar. Non, mais bon, ouais, rien à signaler. C'est fort, on l'a atomisé. En vrai de vrai, je me suis dit, ouais, ça va être drôle, mais on va voir qu'en fait, c'est un peu nul à chier, tu vois. Mais en fait, non. En fait, non, parce que Yajirobe, genre, vraiment, le nombre de cartes vertes qu'il offre à Pan, c'est juste pas drôle, en fait, pour l'adversaire. Je rappelle que Pan, elle réduit le ki également, et que l'adversaire ne peut plus lock, donc littéralement, face à notre team, il peut très rarement lock, en fait, tout simplement. C'est vraiment, ça n'a pas de sens, je le sais, mais ça me plaît, vraiment. Doit-on avoir peur de Broly? Bah, la vérité, Broly est fort, ouais. On rigole, mais bien décrié ce perso. Putain, qu'est-ce qu'il m'embête avec sa junique en vrai. Ok. Bon, ça, je m'en doutais ici. Parfait, la carte facile. Pas de côté. Et là, on a toujours l'anti-cover. Ah non, c'est chaud là. On l'a plus l'anti-cover ici. Le jeu. Bah il tue pas, hein, faut pas forcer, mais c'est nul. Un peu déçu là, hein, il y a Jérôme, il y a que des caps d'HP en même temps, c'est normal. Pas écouter pas de côté ici, dommage. Tellement deg là. Ok, carte verte, pas si très grave en vrai. Ah mais... Pff, franchement on y va, je sais même pas quoi vous dire, il va... Ah il met pas couleur, ah ouais non d'accord, il a même pas confiance en sa team. Après il se trouve on le tue pas hein, mais... Non mais... Non. Il y a un moment légende, hein, faut arrêter de me chier dessus. C'est ouf Gohan, mais Tema il... J'ai rien, franchement limite c'est fort. Je suis limite à deux doigts de dire que c'est genre mais vraiment fort, c'est-à-dire que c'est pas une blague, genre jouer ça, c'est loin d'être fun en fait. Oh mince, c'est plus que 4 millions. Attention, Rising Rush bien placé et tout, il peut faire mal avec les couleurs. On n'a pas le boost ici, bah heureusement. Non mais Tema la taille de n'importe quoi là. Alors là, alors ok, alors d'accord, maintenant j'ai la survie au chaos. Est-ce qu'il m'enlève la barre de vie ou pas? Il y a moyen quand même. Hein. Putain, il m'enlève. Il a failli pas, mais il l'a enlevé. Allez, Rising Rush ici. Rising Rush sur couleur, nous maintenant, bah en vrai il faut que...
Je me demande s'il faut pas qu'il y ait Jérôme Beimer, hein, parce qu'il y a Jérôme Beimer, du coup il soigne la team en vrai. Hein. Franchement, je me demande s'il faut pas qu'il y ait Jérôme Beimer ici. Hein. Ça nous rendrait peut-être pas susceptible de prendre un ulti, parce que si on prend un ulti dans un pas de côté avec Gwen, on est mort, littéralement. Alors qu'avec Yajirobe, la mort d'Yajirobe, peut-être pas. On soigne de 25%, je crois, un truc comme ça. Donc 25% de 5 millions, bah ça fait 1 million et quelques. Donc. Demandez pas de faire des calculs. Il a l'anti-cover ici. Hein. Il a l'anti-cover. Non, mais en fait, mais regardez, mais. Mais il peut rien faire, même Yajirobe, il est cheat. Non mais grand, mais même Yajirobe, il a 3 millions 3 d'HP maintenant. Non, mais ça, non franchement. On franchit des limites de baiser. Non mais c'est n'importe quoi. On est en train d'atomiser le ladder. C'est un truc de fou. Franchement, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouces bleus si vous avez kiffé. C'est juste insane les gars. On se dit à très très vite. Prenez soin de vous. Je vous aime fort et ciao. You on the road.